Maintenant, les années sont là. 94. À n'importe quel âge, on peut porter du fruit, pas seulement en été ou au printemps. Donc, je pense qu'à l'âge que j'ai, il faut que je porte le fruit de ma saison. On a toujours des choses qu'on aurait pu mieux faire et ça suscite aussi des regrets, en particulier pour les personnes qu'on n'a pas assez aimées ou mal aimées. Un vieillard, c'est, que ce soit un homme ou une femme, c'est, on va dire, un condensé d'expériences. Condensé de joie, de peine. Alors, peut-être ce serait mieux pour chacun de se dire quel est le sens de ma vie plutôt que le sens de la vie. Et finalement, le temps, est-ce qu'il passe ? Merci. Je suis extrêmement frappée de voir à quel point la vie est inégalitaire. On n'en est pas avec les mêmes chances, même à l'intérieur des mêmes sociétés, même à l'intérieur d'une même famille. C'est pas possible. Il faut que je me concentre. Ah, ça c'est beau ça aussi. Mais c'est pas dans le même ton, c'est très différent. L'imaginaire que les moines ont l'éternité pour eux, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Celui-là, je me sens très proche de tout homme qu'on rencontre. On est tous en route.
J'ai l'impression que ma vie vaut quelque chose parce qu'elle est donnée, à d'autres. Vivre avec les autres, c'est quoi? Et l'autre, qu'est-ce que j'en fais? Chacun a sa part de secret, et je crois dans les couples aussi, il faut respecter ce secret. Il faudrait presque rien pour la corriger, mais je vais pas avoir le temps avant le début de l'office. Et ça, c'est exaspérant. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes partagent avec nous une réflexion sur les questions essentielles de nos vies communes et nous disent qu'un vivre ensemble dans le monde est possible.